imaginer les créatures qui vivent sur ces planètes, donc les créatures extraterrestres. Ok ? Garance Cocard-Popstar est une artiste plasticienne. Elle est en résidence au collège Jean-Baptiste Eblé pour 66 jours. Dans ce cadre, elle effectue également 20 jours de transmission avec les élèves de 5e et de 4e. Ils se rencontrent régulièrement lors de cours d'art plastique. Elle leur propose de participer avec elle à la création de son court-métrage de science-fiction. Je leur avais fait travailler sur des collages qui permettraient d'expliquer à des espèces extraterrestres ce qu'est la Terre et l'humanité. Et du coup, moi, j'ai récupéré ces collages-là et j'en ai fait des animations qui vont nous permettre d'être l'introduction du film, en fait. Donc, à chaque fois, je réintègre leurs éléments. Les élèves prennent donc pleinement part au projet de l'artiste. L'objectif du jour pour les collégiens, créer les créatures les plus originales possibles qui vivent sur les 5 planètes imaginées par Garance. Je suis en train de créer en fait des champignons très intelligents. Et en fait, c'est un mélange de méduses et peu de champignons. Et je fais des mélanges pour qu'en fait, c'est parce qu'ils sont intelligents et ils sont censés être plus développés que certains autres champignons. L'autre pan important de cette résidence, c'est le partage et la découverte du métier d'artiste. Parler de ce qu'est mon quotidien, de ce qu'on peut faire, de leur ouvrir aussi cette voie-là comme voie professionnelle ou comme juste hobby, j'en sais rien. Voilà. En plus des heures d'art plastique auxquelles Garance Cocard-Popstar participe, les collégiens peuvent la rencontrer dans sa salle ouverte régulièrement pour échanger avec elle sur son métier ou suivre son travail de création.